ce sont les retrouvailles avec une ambiance de bonne convivialité. Mais vous pouvez être là, hein, approchez-vous. Ah non, parce que pas d'histoire. Hein. Pas d'histoire avec Didier. Parfait. Vous avez deux Cessna. Oui, nous avons un Cessna 172S et un 182T. Oui, et vous, c'est vous qui entretenez ce matériel. Hein. Voilà, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est le 172 qui est immatriculé en France. Et le 182, lui, on l'a laissé immatriculer en N, c'est-à-dire aux USA. Aux USA. Vous êtes donc le mécanicien principal. Exactement, oui, hein? Je suis le mécano et j'entretiens les quatre avions du club. Et ces deux appareils qui sont les Cessna, là, entre autres, il y en a un qui est pour c'est pour l'école de pilotage, ça? C'est-à-dire que tous les deux sont pour l'école de pilotage, mais oui. Sont surtout dédiés au voyage. Ah, au voyage quand même, oui. Voilà, parce que... Les distances. Les grandes distances, c'est quand même des avions qui sont très sophistiqués au niveau... Qu'est-ce que c'est, ces appareils qui sont à côté de vos Cessna, au garage, là? C'est des appareils qui sont un peu plus, plus anciens ou quoi? Oui, nous avons un DR400 120 chevaux qui a été acquis au club en 1988 et qui sert surtout pour l'école. L'école c'est ceux-là qui servent pour l'école. Qui servent pour l'école de début et qui permettent aussi donc d'aller jusqu'au brevet de PPL, c'est-à-dire de pilote de pilote privé. Bon, tranquille. Et c'est... notre 112, nous avons un Jodel D112 qui a été construit au club et qui a fait son premier vol en 1967 et qui sert aussi pour l'école de début parce qu'il est très démonstratif. D'accord. Et bon. Bon, ben c'est bien. En vous remerciant, cher ami. Le club a une vocation d'école de pilotage. Vous êtes terrien ou aérien? Vous voilà dans le ciel de Romorantin en toute sécurité, avec les membres pilotes du club qui ont permis l'évolution de ce. Il était créateur du club et pilote mécanicien. Chaque pilote, membre du club, a la maîtrise de lui-même. Il gère ses responsabilités de pilotage avec une discipline innée de ses initiatives et ambitions professionnelles. Le club a également une vocation de vol à voile. Les activités de chaque jour sont diverses au club. Les vélivolistes s'activent sur l'entretien de leur matériel avant de s'envoler quelques heures dans le ciel de Sologne ou du Berry. C'est le retour au sol.
Le treuil qui rentre au hangar a rempli sa fonction. C'est la leçon de pilotage. Toutes les instructions sont données au départ avant l'envol. Bon, ça va s'allumer. Là, c'est toutes les fonctions de l'avion, les températures, les tours minutes, toutes les fonctions vitales de l'avion. Et là, ça va être le GPS qui commande. Voilà. D'accord. Qui commande le pilote automatique. On a un pilote automatique. Voilà. Voilà le terrain de Romo. Aujourd'hui, on va survoler Romorantin. Remerciements à notre pilote. C'était en août 2013. Le championnat de France de vol à voile, série club, à l'aéroclub de Sologne-Romorantin. Franklin a 17 ans. Son sport favori est le vol à voile. Il veut devenir pilote d'avion de chasse. Amélie. Amélie vient de Digne-les-Bains, dans les Hautes-Alpes de Provence. Amélie, ce matin, prend le départ à l'épreuve.
mais reviens à la base. Pourquoi, Amélie ? La météo l'inquiète. Pascal Violette me sert d'interprète. Merci, Pascal. Ils ont 22 ans tous deux. Ils sont universitaires à Prague. Ils participent au championnat de vent à voile ici à Romorantin. Ce sont leurs vacances en France. Journée du 21 septembre 2014. Il faut attendre 10h30 pour voir apparaître les premiers invités au Café Croissant. Tous ces appareils viennent des clubs voisins. Amboise, Blois, Le Breuil, Issoudun, Châteauroux et nombreux autres. Là, le casse-croûte, charcuterie, pâté et croissant, avec la boisson rafraîchissante et réchauffante, car ce matin, la température est fraîche. Cette réunion se terminera avec l'arrivée d'un hélicoptère de tourisme. Au revoir à vous tous.